vue par les juges. Oui, et puis qui s'observe bien au ralenti. C'est vrai que la télévision est impardonnable de ce point de vue. En tout cas. Et là, Benoît aussi, un excellent gymnaste qui se prépare pour les championnats du monde, lui aussi, dans sa spécialité au sol. Regardez, twist double tendu, ça c'est très très difficile. Dommage, il me semble qu'il a mordu un petit peu à l'extérieur du... Il est sorti, mais... ...du praticable, mais alors, l'entrée en matière est un peu impressionnante. Un gymnaste extrêmement vif, très très agréable à suivre. Ça fait du bien de voir Casimir comme ça de bonne humeur et surtout extrêmement performant, confiant. Mettre de l'ambiance un peu dans cette équipe. C'est vrai, et quand le moral va, tout va. Voilà Benoît qui, lui, est, je disais, en préparation et un peu en démonstration ici pour tester à Bercy ses mouvements. Double arrière tendu enfin, très bien. Voilà, libéré, je dirais, de la pression, car il n'est pas classé dans ce concours. Sol, Yann Kuchra, Cédric Guy et Eric Casimir sont les participants officiels de cette épreuve de Coupe du Monde. Et comme nous sommes à domicile, nous pouvons présenter un peu plus de gymnastes. Mais ceux-ci s'inscrivent hors concours. Voilà, ici, ce double avant avec beaucoup de rythme. Voilà, on voit petite... toute petite imperfection. Le twist, le double tendu vers l'avant, c'est un élément extrêmement difficile. Il sort rien du tout, hein, mais bon. C'est difficile techniquement et difficile à stabiliser car sur les rotations corps tendu en avant, on a assez peu de repères visuels pour la réception. Et voilà un mouvement qui, dans son contenu, peut rivaliser avec les podiums mondiaux.